Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Pour nous suivre partout à travers le monde, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News Télévision et www.top243news.com. Bilan et perspective de la réforme des cadres légaux de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, tel est le thème qui a été retenu par la RDC, tout en faisant allusion également avec celle qui est exploitée à travers le monde, mesdames et messieurs. Top 243, News va vous livrer l'essentiel de ce qui s'est passé pour ce vendredi 3 mai 2024 en République démocratique du Congo et particulièrement pour Kinshasa, dont les représentants du ministre de la Communication empêché en mission des services à l'étranger, mesdames et messieurs, ainsi que tant d'autres intervenants se sont exprimés en rapport avec cette journée. Suivez, on va juste cheminer avec vous ensemble. Alors, on puisse donner accès à... Oui, allez-y. Parce qu'il y a une expression caractéristique qui est au centre et plongée depuis des années. On peut penser à souvent à la caisse du trésor qu'on paye au cabinet. Aucun cabinet politique n'est autorisé à récolter de l'argent au nom du pays. Et donc, les médias vont s'éparpiller, vont se perdre dans plusieurs ministères. Mais c'est là le rôle que doit jouer le Conseil suprême, toujours pas que c'est un méga ministère à la limite. Parce que, voyez-vous, la loi de 2000, pour la bonne marche du pays, on dit, mais pourquoi les médias ne reçoivent pas ces aides? Pourquoi pour les médias? Je peux même aller maintenant à vous poser à vous-même la question, mais pourquoi l'UMP? C'est difficile à se trouver un individu qui soit capable de fédérer et de coordonner de manière fédérée. Aujourd'hui, nous avons de manière générale rappelé les avancées du cadre normatif de la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Nous avons rappelé aussi un certain nombre d'activités qui ont été réalisées les années antérieures. Nous avons aussi rappelé la mise en place du comité de suivi des États généraux. Nous avons adressé des recommandations quant à la table ronde qui s'organise dans la deuxième partie de cette journée, où le gouvernement attend de cette table ronde des recommandations pour pouvoir l'implémenter dans les différents actes légaux et réglementaires afin de faire avancer la liberté de la presse et de l'expression en République démocratique du Congo. Mais aussi comme information phare, c'est que le gouvernement est prêt à accompagner l'organisation du congrès extraordinaire de l'UMPC. Nous avons dit lors de notre discours que beaucoup de choses ont été faites en termes de fondation, mais que beaucoup encore reste à faire. Le bilan, cela dépend de quels indicateurs vous voulez faire. Aujourd'hui, il faudrait dire que les choses avancent et évoluent, certainement pas avec la vitesse que certains voudraient, parce que notamment, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda à travers ses supplétifs. Et aujourd'hui, tous les crimes contre les journalistes ou contre la presse qui sont répertoriés, notamment dans des territoires sous occupation, sont comptabilisés pour le compte de la République démocratique du Congo, alors qu'ils ne sont ni perpétrés par le gouvernement central ou les entités décentralisées, mais par des ennemis de la nation supplétifs du Rwanda. Donc voilà de manière générale ce que nous pouvons dire quant au bilan. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, notre association ou le comité de pilotage pour le plaidoyer que nous sommes en train de mener,
nous avons réaffirmé notre engagement de poursuivre ces plaidoyers jusqu'à ce que le dossier soit mis sur la table du chef de l'État pour enfin reconnaître au niveau national ces 22 journalistes assassinés pendant l'exercice de leur métier. Peut-être vous allez me poser la motivation. La motivation est que ces journalistes ont payé lourdement le prix, le sacrifice de leur vie pour informer, pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer la corruption. Et cela les a coûté leur vie. Et particulièrement pour moi, qui est une victime principale, dont j'ai perdu mes parents, ma mère et mon père, en 2005. Et je me dis, je dois briser les silences en travaillant avec les associations professionnelles pour militer pour que ces plaidoyers soient acceptés enfin au niveau du président de la République. Donc, à l'occasion de cette journée, nous réaffirmons notre engagement. Nous allons poursuivre les plaidoyers et aussi nous allons planifier, annoncer plusieurs activités que nous allons mener au cours de l'année 2024 jusqu'au 2 novembre. La journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Donc il y a beaucoup d'activités que nous allons planifier dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La célébration de ces jours sur le plan mondial a été axée sur l'environnement, donc la presse face à l'environnement. Mais compte tenu du contexte de la République démocratique du Congo, nous avons d'abord tenu à travailler sur les bilans et perspectives sur les réformes du cadre légal depuis la tenue des États généraux de ce séjour. Voilà pourquoi d'ailleurs, au-delà de la partie officielle que nous venons de terminer, nous allons rentrer tout à l'heure en table ronde où nous allons travailler et formuler des recommandations aux sorties de ces travaux. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur l'ensemble. Mais en ce qui concerne la situation de la liberté de la presse dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, nous avons eu le rapport de Reporters sans frontières publié à ces jours. Il s'avère que sur la liberté de la presse, la RDC reste encore en situation de stagnation. L'année dernière, il était en 124e place sur les 180 pays consultés. Et aujourd'hui, il garde encore la même place. Donc, il n'y a pas un changement. Mais surtout que la partie est où se trouvent les exactions de rebelles, nous avons un certain nombre d'exactions qui sont très élevées. Et certains journalistes travaillent dans des situations très difficile et dans les conditions déplorables, notamment ceux qui se sont déplacés dans la partie où sévit la guerre, notamment à Butembo, qui ont quitté Bouniakir et autres, qui se retrouvent vraiment en pleine insécurité à Goma. Ceux-là travaillent sous un moment très difficile et nous avons réussi quand même avec un certain nombre de confrères à localiser certains ou à caser certains dans leurs rédactions et ceux-là réussissent, mais d'autres qui travaillent encore avec plus de difficultés vivent des cotisations de certains de leurs confrères en attendant qu'ils puissent reprendre leur zone d'exercice ou de travail habituel. Voilà à peu près la situation qu'on peut établir sur l'ensemble du territoire national de la liberté de la presse. Alors, j'ai présenté le code numérique pour savoir si c'est une opportunité ou une menace pour la presse. Et j'ai démontré que d'un point de vue dans le cadre du marché mondial, l'économie numérique a besoin d'être régulée, réglementée, suivie. Ça se présente comme une belle opportunité. Mais sur la question de la sécurité informatique, des infractions par voie de presse, ça peut être s'avérer comme une menace. Je suis relevé aussi la loi de télécommunications qui permet de censurer Internet, notamment et empêcher à ce qu'on y ait un contenu informationnel. Nous, notre but en tant que programme qui est financé par des bailleurs internationaux, donc l'USAID, la Suède et la Suisse. Notre but est de participer, d'aider au dialogue entre les journalistes, les organisations professionnelles et le gouvernement. Alors, on a vu au cours des états généraux de la communication et des médias, nous avons soutenu les organisations professionnelles pour qu'elles puissent formuler des propositions très techniques au gouvernement. Il y a eu une discussion. Ensuite, il y a eu des réformes qui ont été initiées. Et aujourd'hui, les organisations professionnelles veulent discuter autour d'une table ronde pour voir où on en est et pouvoir faire de nouvelles propositions au gouvernement. Et donc, vous avez vu qu'il y a un dialogue, il y a eu des annonces aujourd'hui du gouvernement pour que ça aille un peu plus loin pour l'organisation du congrès extraordinaire de l'UNPC pour remettre l'autorégulation, donc
le tribunal des pairs des journalistes au centre de la régulation des médias ici en RDC. Pas vraiment de bilan, ce sont les organisations professionnelles qui font le bilan, c'est elles qu'il faut discuter. Elles vont encore en discuter cet après-midi pour avoir des demandes à faire auprès du gouvernement sur base des recommandations qui ont été formulées lors des états généraux de la communication et des médias. Nous, en tant qu'organisation internationale, on est là pour faire en sorte que le dialogue s'installe et que les deux parties puissent avancer ensemble pour tout simplement des réformes et que la liberté de presse soit mieux protégée ici en RDC. On rappelle que la liberté de presse est protégée par la Constitution en RDC. Je voudrais d'abord dire que le fait que je sois député n'enlève en rien le fait que je sois professionnel des médias, journaliste et enseignant à l'université pour devenir journaliste. Je suis très content de participer à la rencontre d'aujourd'hui parce qu'au fait, dans la vie d'un homme, il faut toujours arriver quelque part à faire le break pour faire une certaine évaluation. Et le 3 mai de chaque année est décrété comme journée internationale de liberté de la presse. Je pense qu'il était temps pour nous, membres de la communauté de la presse à la République démocratique du Congo, de faire une évaluation. Je pense que les discours ont été prononcés. Le Congo est à la 123e ou 125e place sur le 140 et quelques au niveau de la liberté de la presse. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Le tableau n'est pas très reluisant. Il y a encore des journalistes qui sont menacés, il y a d'autres qui sont arrêtés, il y a même ceux qui sont morts par le fait qu'ils soient en train d'exercer ce métier. La liberté s'arrache. Je pense qu'il est du devoir de la corporation de s'organiser. C'est pourquoi j'ai salué le fait que, à part les discours officiels, qu'on ait organisé cette table ronde. Je vous dis en passant, parce que je suis le président du comité scientifique pour l'organisation des congrès de l'UNPC. On a travaillé en amont. Je suis membre du comité de suivi. Je pense que maintenant on avance petit à petit pour finalement qu'on arrive à tenir ces congrès et à doter cette fois-ci l'INPC des textes et des personnes avec un pouvoir managérial pour pouvoir conduire. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire, le problème de l'UNPC, de notre corporation, c'est un problème d'abord des textes. On a fait ce travail-là, il y avait 3 règlements d'ordre intérieur, on a fondu en un seul, il y avait 3 statuts, on a fondu en un seul, on a produit les manières de procédure, on a produit l'acte d'engagement, on a étoffé le code d'éthique et de déontologie. Je pense que cette fois-ci, avec le Congrès, il faut avoir des hommes sur le plan professionnel capables, sur le plan éthique assez aguerris pour conduire l'INPC. Nous sommes une force qui s'ignore alors que nous avons la possibilité d'échanger. Le journaliste, c'est celui qui conduit la démocratie et celui qui conduit la mentalisation de la population. Comment arriver à faire en sorte que la presse puisse accompagner le pays dans cette guerre qui nous est imposée? Comment arriver à faire des défis climatiques, des défis environnementaux? Comment arriver à faire en sorte que ce pays qui veut sortir du sous-développement, qu'on arrive à aller de l'avant? Je pense que on aura besoin de l'UNPC, qui est notre organe d'autorégulation, mais nous aurons aussi l'accompagnement du CESA, qui est notre organe de régulation, mais aussi voir comment faire des passerelles. On a publié la loi sur l'information, ce qui est une bonne chose. Mais dans l'entretemps, on a publié également la loi sur le numérique. Mais d'autre part aussi, il y a aussi le code pénal qui existe. Qu'est-ce que nous avons gagné, nous? Qu'est-ce qui reste à faire? Comment aller de l'avant? Je pense que pendant le congrès, ce sont des questions qui seront passées en revue pour arriver à trouver une solution. Je pense que vous n'avez pas très bien lu la loi. Je suis membre de la commission spéciale pour la rédaction du règlement d'ordre intérieur, la commission qui était dirigée par le professeur Njoli. Et quand vous évoquez des matières en rapport avec les médias, vous comprenez que je suis la personne qui est un peu plus intéressée au premier plan. Non, ce n'est pas été ça l'information. Pendant les retransmissions en direct, pas pendant la session, pendant les retransmissions en direct ou pendant l'arrivée du chef de l'État pour son discours devant le Congrès, donc il faut une retransmission en direct. On a dit pour la retransmission en direct, il est donné la priorité à la RTNC, à la télévision officielle, parce qu'en fait il y a la 1, il y a la 2, il y a la 3, il y a même une chaîne institutionnelle au niveau du Parlement, mais qui ne sont pas en mesure de faire le direct. On a dit pendant les retransmissions en direct, la priorité est accordée
à la RTNC. Mais sinon, au niveau de l'organisation, il y a une structure de médias au niveau du cabinet du président de l'Assemblée nationale qui fait des accréditations. Moi-même, quand j'arrive au Palais du Peuple à la sortie, il y a toujours des journalistes qui sont là-bas. Encore faut-il qu'il faut que ça soit organisé par moment, photographes, journalistes, tout ça. Ça grouille un peu de partout, il faut quand même une organisation. Mais je pense qu'on n'a pas dit que tout sera une exclusivité de la RTNC. Non. Pendant les retransmissions en direct, parce que si vous venez avec votre régie, Biwan amène sa régie, la RTNC sa régie, et dans l'entretemps, nous devons avoir des câbles pour faire le direct, ça risque de faire des ordres, et même par rapport aux amis du protocole de la sécurité, ça risque de poser problème. C'est pourquoi on a dit, pendant les retransmissions en direct, l'ouverture de l'Assemblée nationale, par exemple, l'ouverture de la session, ça, ce sont des événements où on peut demander à la RTNC d'assurer la retransmission en direct. Et nous le disons parce que nous savons aussi que tous les médias qui couvrent l'Assemblée nationale n'ont pas des régies, n'ont pas des moyens techniques pour arriver à faire les directs. C'est un peu dans ce sens-là. Sinon, la couverture des plénières de l'Assemblée sont des plénières qui sont publiques et que tout média a la latitude et même l'obligation de couvrir. Merci pour votre attention, très chers téléspectateurs, fidèles abonnés du groupe Média Top 243 News Télévision et www.top243news.com. Vous avez le temps de suivre cette journée internationale dédiée à la liberté de l'expression et en particulier de la liberté de la presse à travers le monde entier, mesdames et messieurs, pour la République démocratique du Congo. C'était le bilan et les perspectives sur la liberté ou les réformes de la presse en RDC. Vous avez suivi plusieurs intervenants qui ont émis leur point de vue sur ces changements à travers les institutions de la régulation de la presse en RDC, mais également à travers l'organisation des professionnels des médias en RDC, UNPC en sigle en tant que tant d'autres. Organisé par Internews, mais également avec ses différents partenaires, vous avez suivi mot à mot également chaque intervenant qui a exprimé son point de vue sur cette organisation qui donne le pouvoir, quatrième pouvoir, aux professionnels des médias à exercer leur métier. En RDC, plusieurs cas ont été signalés sur le Bavir par le pratiquant du journalisme, mais également les autorités. Vous avez suivi tous ces points à travers les interviews à chaud à l'issue de ces échanges organisés par l'Internews, mais également les différentes plateformes médiatiques qui a pu avoir organisé la célébration de cette journée autrement ici en République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. Restez connectés sur Top 243 News en télévision et www.top243news.com. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.